Bonsoir à tous. Je m'appelle Estelle Zoli Amouzou parce que je suis mariée à un merveilleux monsieur qu'on appelle Étienne Amouzou. Je suis togolaise et missionnaire avec Jeunesse en Mission, nous servons au Sénégal. Bon, j'ai fait mon école de FTJ en 2011 au Togo. Et j'ai eu à travailler avec les fabricants de joie. Mais quand je suis allée au Sénégal, j'ai vu qu'il y avait déjà les fabricants de joie. Je me suis engagée. Mais à un moment donné, j'ai vu que ce n'était pas ça. Je me suis retirée. Et là, j'ai eu à travailler plus avec les enfants dans les églises, les jeunes et les femmes. En janvier de cette année, j'ai vu le flyer de FTJ de 2022 au Nigeria. Et là, j'ai crié, waouh, c'est une bonne occasion de venir me faire recycler parce que ça faisait déjà des années, depuis 2011. Et je dois encore apprendre d'autres nouvelles choses. C'est ça qui m'a fait venir ici et je staff l'école. Le 22 juin, je ne savais même pas que je devrais voyager sur le Nigeria parce que je n'avais rien du tout. Même le voyage du Sénégal jusqu'au Togo, c'était par étapes. Le Seigneur nous avait bien dit cela. Et donc, arrivé au Togo pour voyager sur le Nigeria, c'était un peu difficile. Jusqu'à la nuit du 22, non, rien. Et à 20h35, Dieu fait le miracle. Nous sommes arrivés à la base de Jeunesse en Mission et c'est là que nous allons prendre le départ le lendemain matin. Voilà qu'il y a une responsable qui est venue avec une enveloppe dans la main. Elle a déposé sur la table devant moi. Elle dit « Compte ». Donc j'ai compté. C'est comme ça que j'ai pu trouver mon billet de Lomé jusqu'à ici à Port-à-Court. Et je rends grâce au Seigneur pour ce grand miracle qu'il a fait dans ma vie. Merci beaucoup et que le Seigneur nous bénisse tous.